La nature ne dit pas le vrai en permanence. Elle montre le vrai à travers le réel. Ça, c'est la nuance à connaître. Si tu ne le sais pas, tu vas errer d'idéologie en idéologie, ce que font tous les oiseaux. Le New Age, c'est ça. Tu ne sais pas parce que personne ne t'explique avec rectitude telle chose et comme cela, pour telle raison. La raison des choses, c'est quand même la base de la réflexion fondamentale. C'est pas ça pèse combien qui m'intéresse, c'est pourquoi cette chose a une existence et à quoi sert-elle dans cette existence. Moi, regarde avec les pyramides, je me suis posé la question de savoir pourquoi et non pas comment. Et en ce sens, la formation que m'a offerte mon grand-père, c'est ça qui m'a déterminé à poser la question dans le bon ordre. Le type qui va faire quelque chose, il va le concevoir et va se poser en dernier lieu la question de savoir comment il va réaliser ça, si c'est indispensable. Pourquoi, la vraie question en matière de grandes pyramides, c'est pourquoi on en est venu à se dire il est indispensable de faire un truc pareil. Voilà la vraie question. Pour les historiens, ils devraient tous se poser la même question, mais non, il n'y en a pas un seul là-dedans. Ils décrètent c'est un monument funéraire, point barre. Voilà, les mecs, ils vont se crever, ils vont faire, un chantier gigantesque avec une conception épouvantable, tout ça pour qu'on dise, oui, c'est un tombeau. Compte tenu de l'ensemble des cochonneries que j'ai montrées dans le film, il y a peu de chances que ça tienne la route longtemps encore. Simplement, c'est que, on sait que la rigidité cadavérique, ça dure un certain temps.